Effectivement, on est sur une période de préparation. Les 15 premiers jours seront consacrés au travail aérobie. Voilà, donc on va essayer d'alterner du travail à la fois technique et du travail aérobie avec ballon, notamment des conservations des jeux. C'est-à-dire que toute la partie technique, c'est Benjamin qui va la gérer. Ça va être souvent des échauffements. Et ensuite, on va prendre le relais avec Pascal et Romain sur tout ce qui est conservation et les jeux, comme je le disais. Tout en sachant que la première semaine, on est surtout sur des conservations non orientées où on intègre les gardiens en tant que joueurs de champ. Le staff, nous, on essaie de faire travailler ce travail aérobie, comme je disais, avec le maximum avec le ballon, parce que effectivement, les nouvelles générations, la notion de plaisir est extrêmement importante. Et puis effectivement, je pense qu'il faut aussi être capable de changer d'époque avec les nouvelles méthodes d'entraînement. On va avoir une semaine assez plus chargée en termes d'intensité la semaine prochaine. On va redescendre en semaine 3. En semaine 4, on va remettre une petite couche. Et puis, avant le championnat, on va descendre en charge pour ce qu'on appelle arriver sur de l'affûtage. Voilà, donc comme je l'ai dit, beaucoup de conservation au départ. Et puis, à partir de la deuxième semaine, on va commencer à faire des jeux orientés avec l'intégration progressive de nos principes de jeu. Les matchs amicaux font partie de la préparation sur les premiers matchs notamment. Donc on va sans doute partager les temps de jeu et puis sur les deux derniers matchs amicaux, les temps de jeu vont être un petit peu plus calculés par rapport au début du championnat tout simplement. Quand on arrive dans un nouveau club, on essaie de prendre ses marques, c'est une période d'observation. On essaie d'abord d'apprendre à bien se connaître, notamment avec le staff, parce que ce sont des collègues de travail au quotidien. Et puis on va apprendre à découvrir les joueurs sur toutes ces 5 semaines de préparation et essayer de créer des affinités pour qu'on forme un groupe tous ensemble bien unis et prêts à bien débuter ce championnat. Beaucoup basé sur du jeu, voilà, un petit échauffement avec Benjamin, sur un peu de renforcement, le travail d'appui. Derrière, on enchaînera sur des petits taureaux, 3 équipes qui se sous forme de compétition de taureaux. Ensuite, on basculera sur une conservation non orientée, voilà, où l'objectif ça sera de faire un maximum de passes et associer des petits buts également. Ouais.